Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle capsule du Détour après le retour. Louis-Philippe Morin. Cathy Desrosiers. Aujourd'hui, capsule appétissante. Oui. On teste un des plats nationaux du Québec, la poutine. Yeah! Cathy, comment ça va fonctionner? Bien, en fait, comment ça va fonctionner, c'est qu'on a sélectionné 5 poutines qui viennent de 5 restaurants locaux. En fait, il y a une poutine qui vient de l'épicerie. On va tester ça là-dedans. Et le but aujourd'hui, c'est pas de trouver la meilleure poutine. En fait, c'est d'essayer d'identifier quelle poutine vient avec quel restaurant et laquelle vient de l'épicerie. On a 5 restaurants. Donc, les 5 restaurants sont Tiken. Oui, la rôtisserie chez Vic. On a aussi Urto. On a la Sorel Tracy Barbecue. Et on a celle dont tu parlais, l'épicerie. C'est une poutine congelée. Voilà. Qui vient d'une des épiceries de la région. Donc, on essaiera d'identifier chaque poutine. Moi, je pense que j'ai goûté à toutes les poutines, sauf peut-être une de la région. De la région. Alors, on va essayer de les réidentifier. On met les loups pour être certain de ne pas être distrait par la sauce ou le fromage ou la quoi texture que ce soit. Des frites. Alors, c'est Julien, notre technicien favori, qui va nous apporter la poutine. Et vous verrez dans le bas de l'écran ou dans le haut, je ne sais pas où on va le placer, la poutine qu'on est en train de déguster. Julien, première poutine, s'il te plaît. Et voilà. Attends, ah, j'ai-tu ma fourchette? Oui. OK. Cathy, vas-y en premier, s'il te plaît, je t'en prie. Il te plaît. Attends, j'aime pas ça. Est-ce que tu as pris ta bouchée? Ouais. OK. J'ai pas eu de fromage. Oh non. Ouais. Oh, ça y est, j'en ai mis partout. OK. ben. C'est donc bien difficile. On risque de dire ça souvent, mais c'est de la bonne poutine. Ben, c'est bon, mais je sais tellement pas ça vient d'où. Moi, je pensais que je serais guidé par les frites. Ah, la sauce, je sais. Par la sauce, c'est vrai? Ouais. Attends une minute, là, tu m'intrigues. Mais j'ai pas... Attends, je vais essayer de prendre du fromage. C'est du fromage, ça? Hein? OK. OK. Es-tu prête, Cathy? Ah. Moi, j'ai l'impression qu'on va se répéter souvent. Moi. OK. Moi, je suis prête. OK. Dans 3, 2, 1... Sorel Tracy Barbecue. Ah ouais, moi, je pense que c'est chicken. Alors, vous voyez, vous... Julien, est-ce qu'on est capable de savoir la poutine vient de où? Ah non, on le fera pas tout de suite. On voit deuxième poutine. Deuxième poutine, Julien, s'il te plaît. Vas-y, Cathy. Attends. OK, toi, t'as dit quoi le premier? T'as dit Tiken? J'ai dit Tiken. Moi, j'ai dit Sorel Tracy Barbecue. Là, j'ai pas... Attends. J'ai dit quelque chose? Oui, OK. OK, c'est bon? Ouais. Non, ça, c'est Sorel Tracy Barbecue. Où, chez Vic? Je pense que celle-là serait très barbecue. Il y a une différence. Tu sais, les frites... La sauce, c'est pas pareil. Ouais, les frites restent... Sensiblement les mêmes. Ouais. La sauce change beaucoup de choses. J'ai pas goûté à du fromage. Moi, tu vois, celle-là, je trouve qu'il y a un petit goût... je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent dedans. Une épice quelconque. Ça goûte vraiment la sauce de rôtisserie, je trouve. OK. C'est la sauce brune, là. Parfait. Dans 3, 2, 1, Tiken. J'ai dit Sorel Tracy Barbecue, moi. Ah, t'as déjà dit? Ben, okay. Tantôt, j'étais convaincue que c'était Sorel Tracy Barbecue. OK. Alors, vous avez vu si on est dans le tort ou pas. OK. Ben, c'était... Les deux sont excellents jusqu'à date. Cathy? Oui. Troisième poutine. J'ai dit Tiken. Okay. Est-ce que t'en as pris, Cathy? OK. C'est le meilleur test que j'ai fait à vie jusqu'à date. Oh, pas l'air. C'est des frites ondulées. Oh, tu fais les frites ondulées? Ben, personne, c'est ça que j'étais en train de me dire. Non, non. Mais les frites sont... Ah! Les frites ont un goût différent dans ça. Tu vois, tantôt, je disais que la sauce, mais là, les frites ont un goût différent. Moi, j'irais pour le congelé, je pense. OK. Dans 3, 2, 1, congelé. Ouais, je pense qu'on se trompe pas là-dessus. Non. Mais les frites sont plus... Les frites, toi, sont ça, plus... Ça goûte moins la frite décongelée. Ouais, effectivement, ça goûte un peu plus l'eau. La sauce est bonne, le fromage est bon, mais... Les frites moyennes. Les frites, moins. OK. Quatrième poutine. Mon Dieu, ça finit plus. Moi, je me rendrais jusqu'à 10 comme ça. Ça serait excellent. OK. Cathy, est-ce qu'on a un plat devant? Oui. Oui. OK. C'est fait? Moi, j'ai eu un morceau de fromage. J'ai pas de frites. C'est vrai? Je vais être chanceuse. Non, non, j'ai une frite. OK. La sauce est épicée. OK. Ça, tu vois, moi, je suis pas mal certain de celui-là. OK. Attends. Hein? Ouais, OK. Oh oui, madame. Est-ce que tu es prête? Ouais.
Dans 3, 2, 1, chez Vic! Ouais, moi aussi. Tu l'avais pas déjà dit, Vic, non, toi? Non, je l'avais pas dit Vic, okay. J'ai dit Ken. Mais la sauce est vraiment particulière chez Vic. Il y a quelque chose d'un peu plus épicé. Très bonne poutine aussi. Mm-hmm. Dernière poutine, Julien. Toi, Cathy, encore une fois. Moi, il me reste quoi? Toi, qu'est-ce qui te reste à... Moi, il me reste le Hurto. Moi aussi, il me reste Hurto. Je pense qu'on a juste interchangé à un moment donné. Est-ce que tu en as pris une bouchée? Oui. OK, moi. Mm. Je pense pas que c'est Hurto, ça. Mm. Je suis en train de me dire, je me suis trompé quelque part. Avoir du fromage, des fois. Mm. Attends, moi, je vais essayer une autre bouchée. OK. Il me reste juste Hurto, mais j'hésite. Est-ce que je me serais trompé avant? Probablement. Mm. Ça goûte pas, c'est du Hurto. Je peut-être sais pas laquelle peut-être que je quand mélangé. J'ai dit chicken, c'était Hurto, finalement. Ouais, hein? C'est ça que je suis en train de me dire. OK. Ben, il me reste Hurto. Alors, à tout hasard. OK. Dans 3, 2, 1, Hurto. Alors, peut-être, Julien, tu peux nous apporter. On peut enlever nos loups, si on veut, Cathy, apporter les 5. OK, on ça, c'est la dernière. On peut commencer par celle-là, en fait. Est-ce qu'on regarde? Non, mais c'est pas dur. Louis-Philippe a bon sur tout. Ah oui? Cool. Alors, je ne me suis pas trompé. C'est ce que Julien vient de m'annoncer. Alors, la première qu'on a goûtée, Julien, c'était la... C'est celle-là? C'était celle-là qu'on a goûtée en premier. Sorel Tracy Barbecue. Eh bien, voilà. Tu veux, Cathy? Félicitations. Non, moi, j'étais dans les mais patates. Si on regarde, c'est tout, pas mal la même affaire. Le fromage est un peu plus gros aussi. Là. Ça, c'est quoi, ça? Vic. Chez Vic. Ah, bien, mais... on l'avait chez Vic. Oui. Alors, ça, j'ai eu 5 sur 5. Cathy a eu 3 sur 5. Alors... Quand même. Ben voilà, si vous voulez faire le test à la maison, laissez un commentaire sur notre page YouTube. Abonnez-vous aussi, on aimerait ça que vous vous abonniez. Et revenez-nous bientôt pour une autre capsule du détour après le retour. Merci tout le monde d'avoir été là. Salut!